l'école de la chanson, c'était dirigé par ma mère pendant 30 ans. C'est-à-dire que j'ai vu ma mère et entendu ma mère écouter les chansons pendant 30 ans. Ma mère est arrivée en Gaspésie il y a à peu près 35 ans pour s'installer. Elle était prof de musique dans les écoles un peu partout du côté nord de la Gaspésie. Et elle s'est greffée au Festival en chanson de Petite-Vallée avec ce projet-là de la petite école de la chanson qui regroupait une vingtaine d'enfants au départ. Moi, par exemple, quand j'étais petite, je me rappelle qu'on a pogné le sang l'année de Gilles Vigneault. C'est à la fois une fierté de prendre la relève de sa mère, en plus, qui est une musicienne formidable et qui a porté ce projet-là sur ses épaules pendant des années. Je le fais parce que je suis fière, je le fais parce que je suis passionnée et je le fais parce que j'ai l'impression de répondre à un vrai besoin des enfants. Je suis restée dans le principe de choisir les chansons en famille et puis j'ai passé un mois confinée dans mon chalet à Petite-Vallée avec ma petite sœur Jeanne. On a monté 3 chansons complètes de chacun des artistes. Puis on a fait un collage de 3 autres chansons des artistes. Je suis extrêmement touché, vraiment. J'avais les yeux pleins d'eau. Je me dis, c'est magnifique que des jeunes comme ça aient repris une chanson comme celle-là, qui est quand même plus une de mes rares chansons un peu plus rock. Ah, ben là, j'étais émue, là. Mais on était toute la gang sur l'écran en arrière, puis personne n'était vraiment au courant non plus. On était tout comme quoi? 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 Quand on chante ensemble ou quand on trippe sur la même chanson, ben ça nous rassemble, puis on a le même point, on a ce point en commun. Fait que c'est quelque chose que je trouve magnifique. Puis on a des petites voix aiguës aussi, c'est cool, hein, parce que quand tu grandis, à un moment donné, c'est plus difficile à atteindre, ça. De vraiment retenir et s'attarder à ce plaisir simple qui est de chanter ou de créer. Pas plus grand que nous deux, on pourrait réinventer nos couleurs et notre pape, ce seul. C'est l'assise même du festival. On est dans ce partage-là, dans cette communauté-là. Avec les artistes, ça crée aussi des familles. Les artistes, ils se sentent, ben, ils sont reconnaissants de ce travail-là qu'on fait. Ils sont touchés par ce que les enfants leur offrent. Et puis, ça marque vraiment une différence pour notre festival, en fait. Puis ce projet-là, ça permet à de nombreux enfants qui sont peut-être des sportifs aussi, mais qui sont peut-être pas des sportifs, justement, puis qui méritent eux autres aussi d'avoir leur moment pour briller puis pour se réaliser, de se réaliser dans un projet de groupe qui est plus grand qu'eux. Quand tu viens une expérience positive dans ton milieu, bien, tu as une chance de vouloir y revenir d'abord. Tu as un attachement qui est là. Puis tu as une chance aussi de le partager, cette expérience-là, avec les autres puis avec les autres générations qui s'en viennent. Bien, je vous remercie d'avoir mis du temps là-dedans, puis d'avoir offert une partie de vous-même au travers l'une de mes œuvres. C'est très touchant pour moi, puis vraiment, j'aurais jamais cru que ça arriverait dans ma vie. Puis ça me touche beaucoup pour vrai. Merci. Eh bien, salut tout le monde qui avait participé à ce magnifique clip et à cette chanson. Je suis vraiment, vraiment honoré. Et puis, merci d'avoir pris le temps et d'avoir fait le travail pour monter cette chanson-là. Yeah.
c'est sûr qu'on ressent quelque chose qu'on n'entend pas généralement en musique. Quand on entend quelqu'un réinterpréter nos chansons, c'est toujours un peu étrange, mais là, avec 250 jeunes, ça tombe dans une zone inconnue un peu. On ne pourra jamais s'habituer à ça. Pour moi, la musique, ça doit s'apprendre très jeune, ça doit couler dans nos veines. La curiosité aussi envers la culture, envers les arts, envers la musique, bien sûr, ça doit s'apprendre très jeune, ça doit s'inculquer au plus jeune âge qu'on peut. Puis ben, d'entendre des jeunes, tout jeunes comme ça, du primaire, chanter les chansons des autres, chanter mes chansons, ça ne peut que me rendre encore plus heureux que je suis de base.